Yo les gens, c'est Gaming Sud, j'espère que vous allez bien. Glitch importation de tenue modée. Grâce au masque des Crampus I2, glitch toujours fonctionnel les poteaux. Donc les poteaux, on va pouvoir transférer des tenues modées d'un personnage à l'autre. Ok, mais avant de pouvoir transférer les tenues, les modées les poteaux, il va falloir que vous récupérez les masques de Crampus I2. Ok, vous allez pouvoir les récupérer à travers un petit glitch. Dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien comment récupérer ces masques, ok? Donc moi, j'ai récupéré ces masques avec le personnage féminin. Du coup, grâce à ces masques, je vais pouvoir transférer des tenues modées sur le personnage masculin. Donc là, je me rends dans un magasin de vêtements avec le personnage féminin. Je vais lui mettre une tenue, ok? Je vais dans les bas, pantalon polyvalent, je vais lui mettre le pantalon militaire noir numéro 5. Puis je vais aller dans les hauts, je vais aller dans les blousons en cuir JC bleu numéro 32. Ok, puis je vais aller dans les hauts de sport. On va dans les hauts de sport, on va lui mettre le t-shirt baseball jaune uni numéro 13. T-shirt baseball uni numéro 13. Puis on va aller dans les chaussures. On va aller dans les chaussures. On va aller dans les bottes. On va lui mettre la paire de bottes miteuses noires numéro 60. Bottes miteuses noires numéro 60. Puis on va lui mettre une chaîne. Ok, ça sera pour avoir les menottes autour du poignet. On va lui mettre une chaîne en or. Chaîne or Dix numéro 31. Chaîne or Dix numéro 31. Puis on va faire pavé tactile. On va aller dans les protections. On va lui mettre une protection standard. Là, on est bon, les poteaux. Une fois qu'on a mis la protection, on va mettre le masque de Krampus I2 et on va se rendre à une course contre la montre. Là, je mets le masque et je me rends à la course contre la montre. Donc les poteaux, on va se placer au milieu de la course contre la montre. On va faire flèche de droite pour lancer la course. Puis on fait touche option en ligne, choisir personnage. Là, on va prendre son personnage masculin. Et quand on apparaîtra en session, on aura la tenue sur nous, les poteaux. On n'aura plus qu'à sauvegarder la tenue. Donc là, on a pris le personnage masculin, on va apparaître dans la session avec la tenue. Là, ce qu'on va faire, on va sauvegarder la tenue. Voilà les poteaux, petite tenue, les stickers, pantalon, veste. Donc là, les poteaux, on sauvegarde la tenue. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue, là, ce qu'on va faire, on va mettre une combinaison spatiale. On va transférer le casque de la combinaison spatiale sur cette tenue. D'accord? Donc je mets la tenue spatiale, celle-là, je vais transférer ce casque sur la tenue. Donc je la mets, je vais me rendre au télescope. Je vais faire le bug du télescope, je vais passer en courant devant le télescope, je vais faire flèche de droite, pavé tactile. Donc je passe en courant, flèche de droite, pavé tactile, je reste appuyé sur le pavé tactile, j'attends que le menu s'ouvre, je vais dans style. Là, je mets la tenue que je viens de sauvegarder. Ok, la tenue que j'ai importée. Je mets cette tenue, je clique, je m'éloigne du télescope et là ça me met le casque. Et là je n'ai plus qu'à sauvegarder de nouveau. Ok? Voilà les poteaux. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!